Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi avec une petite pause de 1 ou 2 jours. Encore une fois, donc là on va reprendre un rythme normal, enfin normalement. Même s'il ne reste plus que 3 jours de vacances et je me déprime en fin de vidéo, putain. Bref, donc raison de plus pour faire un max de vidéos maintenant, comme ça on sera tranquille pour. On sera tranquille n'importe quoi. Comme ça on aura fait la masse de jeux. Avant les vacances, parce que pendant les vacances, j'aurai pas l'occasion d'en faire tous les jours, donc voilà. Donc à la fin, on s'est arrêté sur les cyborgs. Donc voilà. Faisons la suite. Donc on était contre Trunk. Sois vif comme l'éclair. Ok, on est Vegeta et on doit niquer Trunk. Tout simplement, c'est y a rien de compliqué, enfin j'espère. Alors, je suis un pute de l'attaque de Vegeta. Là, je crois qu'il peut rien faire. Et ben non, je peux rien faire. Alors, voyons. Bing Bang Attack, enchaînement surpuissant et Final Fantasy. Final Flash. Et. Il a dû avoir bien mal. Allez, c'est pas fini. Oh l'enfoiré. Attendez, c'est un chouïa trop fort pour moi. Hop. Voilà, la cime. Allez, remets tes fesses. Hop, 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 hop. Et bim. Ah, les deux dans les dents, c'est vraiment pas compliqué. J'ai besoin de savoir, oui, un minimum. Oh mais merde, je vais pas l'avoir. Ah si. Et on va le finir très mal. Ah bah. Je vais faire un Ming Mang avant qu'il meure, mais non pas le temps. Voilà. Ensuite là on va être contre celle troisième forme, je crois, ou deuxième, je sais plus. Santé plus 3. Attaque ultime plus 3. Et c'est tout. Ouais, c'est ça, et là reste en vue jusqu'à la fin du temps à partie. Ah non, utilise Final Flash pour vaincre l'ennemi. Attaque ultime, ok. On va s'en prendre plein la tronche, mais c'est pas grave. On va s'en prendre même beaucoup plein la tronche. Alors, j'espère que celle n'est pas très très fort. Allez. Allez, dégage, mais plus quoi. Oh, il est sérieux. T'es mort. BAM! J'espère que t'as eu bien mal. Voyons si je peux le toucher ici. Oh, bah d'accord. Froid. Allez, crève. Ça va vite quand même. Il s'est protégé, mais. Dégage. On va le massacrer, vous allez voir. Allez, dégage. Tu fais quoi là? Tu fais mal malin là. Allez, va faire de dos. Et là, on va faire le final flash pour le défoncer. Merde, je suis tombé de touche. Mais dégage, putain. Il va nous tuer, cet enfoiré. Je sais pas où je vais, mais il m'aura pas. Non, mais pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas vers lui? Allez, vite, 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 vite. Non, putain! Putain, je déteste devoir finir un match sans l'attaque ultime, c'est super chiant. Oh putain, faut commencer ça tout seul.
Je vais voir s'il n'y a pas moyen de, avec les trois petites poules, les trois petites sphères, enfin les trucs permettant de faire des adécutines, il n'y a pas moyen de se charger au maximum, ça serait pas mal. Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, dégage. Hop. Alors, charge puissance max et... Super. Allez, dégage. Non, ouais. Dégage. Allez, dans le dos, là. Prends ça. Oh, il me fait chier, sérieux. Tu veux pas être un petit peu plus fort? Bon, je dis ça, mais bon, ça m'arrange bien que ce soit nul. Hein. On va encore martyriser un petit peu. On va l'envoyer bouler. Et on va faire l'attaque ultime. Oh, foiré. Ça va faire bien mal. Hein. Allez, hop. Tac, 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 tac. What? Ah, ça fait bien, ouais, c'est Kenzai. Putain, mais dégage. C'est ça qui m'a fait perdre toute ma vie tout à l'heure. Allez, hop, t'es foutu. Oh, j'y crois pas. Putain, dégage. Vas-y, c'est bon, je suis foutu. Là, il faut encore Kenzai, je suis là, merde. Il me saoule avec l'image remanente. Allez, va te faire dodo, dégage. Putain, non, mais non, mais c'est bon. Bon, allez. Heureux, alors après de multiples tentatives, j'ai réussi enfin à le tuer. Ça m'a pris. Je sais même pas compter tellement j'ai dû recommencer, mais bloqué à ça, franchement, c'est la honte. Bref. Alors, donc maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a. On va bien voir. Je suis... Oh putain. Reste en vie... Oh non. La poisse. Reste en vie avec à la fin du temps imparti, ce que tu peux pas fuir. Tu peux pas fuir, t'es avec un mec super balèze qui peut pas... Enfin, ça... C'est impossible. Regardez la tête que je fais. Qu'est-ce que tu veux t'enfuir avec ça? Buster final, c'est quoi comme attaque? Bombing atomique, super vague explosif. Putain, mais c'est pas possible! Regardez, il m'a fait une seule attaque. Hein. Il me saoule! Allez, dégage. Tu m'auras pas. Et tout ça. Allez, dégage. Oh, mais super. C'est impossible. On est bien d'accord. Non, mais. Putain, faut faire enculer, connard. On peut rien faire comme ça. Non. Quelle honte d'inventer des trucs aussi durs. De faire ça m'énerve, j'aime pas ce genre de combat, moi je veux me fight contre des très faciles, pas contre des forts. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une grosse boule d'énergie. Dégage, tu me saoules. Non, mais... Allez, frappe-moi. Mais regardez la vie qui m'enlève. Non, mais... Ça doit être interdit de faire des trucs aussi durs. Ouais, salut. Mais... N'importe quoi. Non, mais tu peux rien faire. J'en ai marre. Mais faites des trucs possibles. Putain. Je
suis sûr que je l'ai sauté ça, ou j'ai cheaté, je sais pas ce comment j'ai fait, mais c'est impossible. Vous savez quoi, on va faire un truc équilibré. Utilise déplacement instantané, ok. Putain, mais sérieux, non. N'importe quoi, franchement. Non mais c'est impossible, il te frappe un coup, tu perds la moitié de ta vie, c'est impossible. Il va me faire quoi? Oh mais cool. Mais quel enculé ce mec. Allez, va te faire foutre. Allez, hop. Oh mais... Mais la fille qui l'enlève. Elle dégage. Je t'entends cul, connard. Oh putain, j'ai fait une image de moi dessus. Mais arrêtez de faire des images comme elle, non, putain. C'est tellement cheaté. C'est mal, hein. Foiré. Tiens, prends ça. Oh non, non, mais... Mais putain, mais arrêtez de faire ça. Celui qui a inventé ça est un gros sélire. Allez, dégage. Allez, hop. On va faire le dos. Bon, attendant, je vais faire un... Mais non, mais putain. Allez, vas-y, charge, 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 charge. Non. Allez, nique-le, nique-le. Yes. Oh putain, je croyais plus. Hein. Elle meurt, c'est un culé de merde, tu casses les couilles. Oh là là, c'est... Non mais c'est vraiment une grosse... C'est un connard. Avec son... Il n'aurait pas image rémanente. Rien que ça, ça... Oh... Attaque plus 4, attaque finale plus 3... Et c'est tout. Oh, quel connard celui-là. Oh, mais c'est pas équilibré ça. Quel dans le temps imparti. Qu'est-ce que tu veux gagner? Il est trop fort. Oh, faut dire que je dois le battre après pour les tournois. Ça me déprime à l'avance. Même. Alors, boulet de charge RJ, Mazenko et Super Kamehameha. Ok. Dégage. Dégage. En fait, non, c'est équilibré. Si je fais l'anti-jeu. Dégage. Dégage. J'aimerais faire des finales pour la péter. Allez, dégage. Hop. Allez, super Kamehameha, faut que je touche. Oh. Pourquoi tu fais pas pareil avec Trunk? Oui, bah tu penses qu'à main, ce gamin il défonce les doigts dans le nez. Non mais la honte. Mais Dieu, je comprends pas. Je comprends pas la logique du jeu. Mais je suis même pas Super Saiyan 2, c'est nul. Oh non, vas-y combat, s'il te plaît. Oh, en fait, va falloir se taper 6 ou 7 combats contre des 7 juniors. Super intéressant. On est bien d'accord. Donc, vous savez quoi, je fais un combat avec les 7 juniors et après, je vous les passe tous comme ça. On sera tous contents. Parce que franchement, faire ça, c'est vraiment pas intéressant. Et si tu dégages... Mais putain, mais ils ont les mis plus fort que leur père. Oh, très utile. Putain, mais n'importe quoi. Polos. Elle meurt. J'en fais deux, il meurt. Ah, c'est
être maintenant. Oh. Allez, dégage. Dégage. Pff. Oh la bite. Oh la bite. Ah, je suis content, là, je l'ai défoncé, ça me fait du bien. Ensuite. Je pense vraiment qu'on va faire les enchaîner, forcément. Allez, Jean. Elix. Allez, à tout de suite. Heureux, tout le monde. Alors, j'ai réussi à faire celui-là et tous les 7 juniors. Sauf celui-là, je voulais rester avec vous pour le faire. Donc, on va faire ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est utilise toute ta puissance. Pardon. Vous me voyez faire ça contre scène avec Satan. Encore, ça serait vraiment Satan, un Satan, enfin, Satan, le méchant, là, le diable, là, je sais pas qui. Encore, là, ok. Mais Satan, comme ça, pas d'accord. Il fait que du corps à corps. Ce qui fait cancel, hop, what? Ah, mais en fait, il est beaucoup plus puissant que je le pensais. Ou alors c'est juste celle qui est grosse merde. Et hop. Après je vous ferai cadeau piégé et peut-être Satan Super Bowl Punch Miracle. Son attaque de merde qui rêve que dalle. Oh merde. Je fais de la merde, je voulais faire cadeau piégé. Il sait. Oh putain. Il a l'air d'un coup avec ses cailloux là. Pâté. Attends, je te donne ton cadeau. Tiens. C'était nul. Et je peux vous dire que l'autre attaque c'est pas encore. C'est encore pire. Hein. Oh là là, j'arrive pas avec Vegeta, mais avec Satan, j'y arrive. Normal. Ah bah, il me semble qu'on l'avait dès le début, Satan. Bon bah, on allait bloquer un petit peu le saut. Ah, donc on va bientôt finir la sphère, ça va super vite, je trouve. Quand un épisode, on a déjà fait plus de la moitié de la sphère, là, on est qu'à la moitié de l'épisode quasiment. Ah, franchement, c'est super, là, je suis content d'avoir passé ce putain de niveau de merde avec Trunk. Parce que j'ai dû recommencer pas mal de fois avant d'y arriver. C'est vraiment totalement chiant. Ah, Super Saiyan 2. Il va souffrir. Bon, ce soir, c'est moi qui souffre. Qu'est-ce que j'ai comme attaque? Mazenko et 2. C'est nul. On dirait qu'il est Super Saiyan 1. Tiens, Mazenko, bim. Je vais faire mon attaque ultime, moi. Mazenko, bing. Envoie des boules d'énergie. Attends, je te défends bien. Allez, je te laisse faire. Envoie tes boules d'énergie. Ou non, pas tout. Non, mais c'était avant. T'es mort. La vitesse. Oh, c'était méga super classe. Bon, enfin, en tout cas, je pense que la sphère, on aura le temps de la finir. Même commencer une autre. Je pense que normalement ça devrait pouvoir se faire. Ah, ok, on a enfin Cell Junior. On a Cell Parfait, mais on n'a pas. On a Cell Forme Parfaite, mais on n'a pas Cell Forme Parfait. Parfait. Ah, n'importe quoi. Utile, ok. Ah oui, là c'est spécial. Comme fin après. Je vous explique pour ceux qui ne connaissent pas dans l'histoire en fait. Il le frappe tellement fort qu'il vomit ses 18 ou ses 17. Oh, je sais jamais. Allez, tiens, bim. Ah, oh, mais je me trompe tout en attaque. Et en fait, il redevient. À sa deuxième forme. Et à sa deuxième forme, il peut faire exploser toute la planète. Mais en suicidant. Et. Et il se passe que bah
Il y a Son Goku qui le téléporte, je sais plus où là. Je sais plus où il le téléporte. Et bah voilà quoi. Alors ce qu'on va faire, c'est que je veux pas qu'il fasse l'image remanente. Qu'il le fait pas, s'il te plaît. Yes. Et il téléporte le gros chez Kaio. Et il fait exploser la planète de Kaio. Et Son Goku, il meurt et il peut pas être ressuscité. Je sais plus comment il revient à la vie. S'il revient à la vie, je sais plus du tout. Mais j'ai un vieux trou là. Merde, il revient à la vie ou pas? Je sais plus. Je sais plus comment il revient. Je sais qu'il revient à la vie, mais je sais plus comment. Alors là, je crois qu'il reste plus que 3 combats. Restons jusqu'à la fin. J'ai peur, arrête de t'embêler! Oh, c'est chiant lui. Comment il a ressuscité? Je sais plus. Ah oui, c'est un mec qui lui donne sa vie ou je sais plus quoi. Ah, tu fais moins de mal là, hein. Comment ça se fait? Ah oui, il est parfait. Il fait tellement mal. Wouah! Enchaînement éclair et ding bang attaque. Ah ouais, il est que super ciel. Il me transforme, je suis chargé. Tu veux faire un tennis? Oh, forêt. Vas-y, va te faire foutre. Bah, j'ai pas vraiment le choix, je crois qu'on va niquer comme ça. Foiré. C'est con, hein. Allez, va faire de dos. Hop. Je vais faire mon Ling-Mang Kam et mon Ling-Mang Attack. Allez, bim! 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 Il va avoir bien mal, là. Hop là. T'as essayé de te téléporter, enfoiré. J'ai presque enlevé autant de vie. Alors, j'ai pas eu de niquer, quoi. Bref, je suis content, là. Mais j'ai bien défoncé celle, bon après c'est encore plus dur. Mais bon là c'est cool. Super Saiyan, Super Vegeta. Pourquoi maintenant, je ne sais pas. Après c'est. On va être avec Gohan, non je sais plus. Oui ça, on est avec Gohan, Super Saiyan 2. Encore. Et c'est la deuxième fois que je veux le faire. Oh c'est mal foutu, sauf que là, il a un petit peu changé, ce qui fait qu'il est un petit peu plus puissant, ce qui fait que je dois tout recommencer. Il est chiant, on sait. Bref. De toute façon, on est trop fort pour lui, on va le défoncer. Merde. C'est pas faire, c'est comme ça, et puis il faut mieux faire ça. Putain, mais il a un foie. Putain, mais il m'enlève la masse de vie. Allez, dégage, Mazenko, bim. Dégage. Allez, bim. On va lui en refaire un. Dégage. Et là, on va faire le Kamehameha. Oula, le Kamehameha. Putain. Dégage! Mais. Il va me tuer la foi! Putain! Oh! Heureux les gens, alors si j'ai encore un peu galéré, ça m'a pris. J'ai dû recommencer 3 fois avant de le battre. Donc j'ai bien fait faire une ellipse parce que voilà. Bref, j'ai bien défoncé la guerre du futur. Alors on va faire des sphères. Pour finir l'épisode, c'était vu qu'il y a 5 minutes. On va faire des sphères. Merde! Bon, tant pis. En gros, il dit qu'ils ont réussi à les battre, etc., comme d'habitude, et qu'ils sont repartis s'entraîner. C'est tout le temps comme ça pour la sphère. Donc, alors là, on va faire des sphères à part, c'est-à-dire qu'on va pas faire les sphères principales. Donc, il y a celle-là, le carré du futur. Donc, en gros, là, on est dans le futur, et on doit niquer celle dans le futur.
Alors, après avoir fait ses adieux à ses amis, Trunks retourne vers son futur alternatif dominé par les Cybers. Fort de son entraînement, avec son épée, Trunks se prépare à combattre seuls les Cybers qui développent celle en secret. Ok, donc il y a 3 combats. Un contre C17 ou C18. Enfin, un contre C17, un contre C18, là je sais pas qui c'est, si c'est C18 ou C17, je confonds toujours. Et un contre Cell, première forme, donc on va les défoncer tout simplement. Donc on aura largement le temps de la finir, enfin. Largement le temps, je dirais pas, je pense qu'on l'a fini de justesse. C'est pas de faire foutre. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont plus forts là. Qu'est-ce que je peux faire? Que dalle, super. Vas-y, elle me saoule! Pourquoi tu tiens dans le vide, toi? Allez, merde. Elle dégage. Prends ça. Putain, vas-y, dégage. Oh, mais... Putain, je déteste quand ça fait ça. Merde. J'ai cru qu'elle allait me battre. Ensuite, C10. Bon, un autre là. Un autre cyborg. Il devrait mettre les prénoms quand même. Alors, gagne dans ta partie, ok. Ah non, il n'y a plus que. Non, il y a 4 combats. Ouais, bon, on dépassera un petit peu le temps. On dépassera un petit peu le temps, il y a. Voilà. Il n'y a rien de grave. Elle dégage, je dis. Elle meurt. Souffre en silence. Prends-toi ça dans la tronche. Oh bah t'es mort. Ah bah c'est tout. Les doigts dans le nez. Ok, maintenant c'est celle-là normalement, mais je me demande c'est quoi le quatrième combat. Je sais pas. Ah, c'est 17. Ah, donc lui c'est C17 et l'autre c'est C18. Là, c'est la première qu'on a battue. Le premier cyborg qu'on a battu. Donc C18, C17, faut que je me souvienne. Utilise Buster final. Ok, les doigts dans le nez. On va le défoncer, mais complètement. Donc il reste 2 minutes pour la vidéo. Il va durer un petit peu plus longtemps. Il n'y a rien de grave. C'est pas la mort. J'espère. Il est juste devant moi, on va le défoncer. Et dégage. Pourquoi ça? Alors, booster final, est-ce que j'ai un truc? Non. Allez, pense. Ah oui, il perd pas mal de vie, ça va être de la tarte. Ah, mais quel con. Ah, t'es téléporté? Pourquoi? Putain! Il m'énerve! Mais, il va me défoncer! Je vais prendre ça dans la charge maximum. Elle est foutue, elle est foutue! Elle va me faire chier. Elle est buster final et bing! Ah, tu vas bien dans le cul. Hein. Ah, ce qui est bien. On va le défoncer. Et on est à 30 minutes. Donc, on va. Je sais pas si on l'a fait. Bon, si on va la faire, on va la faire. Tant qu'à faire. Donc, on a Trunks Super Ciel.
Putain, le promoteur super ancien. Ah, bon. Blablabla. Alors, grâce au courage de Trunks, les cyborgs de Cell ont été vaincus. Le futur est devenu un arbre de paix, et cette paix est appelée à durer car Trunks y veille. Ok. Bah, vous savez quoi, on va pas le faire. Parce qu'on a 30 minutes, donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir à partager la vidéo avec vos amis. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!